Comment ça? C'est Limali. Limali, la magie. C'est la quelqu'un. Thank you.
à régie, il y a pas de place dans les arbres. Peur.
Italie. Oui. Faut dire, oui. À Véro et Fatmata, de parler à l'ordinateur. Non, on perd un peu. Il s'approche de l'ordinateur pour parler, on n'entend pas. Non, il faut parler. Faire face à l'ordinateur. Tant que possible. Thank you.
le savent pas, au pays Pelé, entre les 18 montagnes de Bersedougou-Paris, on dit Katua, Katiok-Balou. En Haute-Guinée, en Niké, Tanamatele. En Basse-Guinée, on Wali, Banamfeye. En Moyenne-Guinée, on Ngarama. Tanalaton. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, là, ne me donne pas le courage de continuer. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. On dit souvent que ce n'est pas bon de parler de soi. Mais si tu n'as personne pour parler de toi, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Je m'appelle Aminata Véronique Patrick Widon Lama, alias Vélam, descendant de Golkoyo Nema et de Maoulolo Pou de Golkoyeba, arrière petite fille de Ziaké. Bonsoir. Bonsoir. Grâce à la parole, je me retrouve devant vous ce soir pour vous emprunter vos oreilles et vous prêter ma bouche afin de vous raconter les belles histoires que je vous ai apportées. Mais attention, n'oubliez pas de me rendre ma bouche hein, à la fin de l'histoire. On est d'accord? Oui. Voilà, merci beaucoup. Amiga, Suzana, Amiga, Suzana, Amiga, Suzana, Amiga, Suzana. Thank you.
Nanimbaya. Je vais aller chercher mon fils au bord du fleuve Nanimbaya. Oh fleuve Nanimbaya, protège mon fils. Nanimbaya, 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 Nanimbaya. La dame chercha son fils. Elle le chercha. Dans tous les coins heureux qu'on met en vain. Elle décida alors de reverser le contenu de son bol dans le fleuve. Toujours en chantant. Thank you.
chacun cherchant à la deviner. Mais personne ne parvient à la trouver. Tu peux compter sur ma description. Dis Moussa. Ah Moussa. Alors, la première fille s'appelle Moussa. Et la seconde Maya. Il ne sait pas. Ah! Tellement content. Moussa se présenta à la cour du roi. Tu veux parler? Dis-moi ça. Le garde-corps du roi dit: va-t'en d'ici. Tu n'es pas homme à trouver le nom de deux princesses. Ah, Allah. Ah, Gilba. Je vous dis, ainsi revient à Moussa, les mains des deux. Oui. Très bien. Celui-ci allait se confier à une vieille femme, sa voisine. Voisine, ma tête est mise à prix. Sauve-moi, voisine, s'il vous plaît, sauve-moi, voisine. La vieille femme dit le sauveur sur son oreiller. Désormais écarté. La vieille femme dit alors au serpent.
de la vieille femme. Obligé tous les jours de longue marche, en quête de grenouilles et de crapauds. Je vous dis, elle avait déjà maigri. Et tout le village la détestait. Animaux, une crise d'eau sans précédent. Tous
les animaux se mirent alors à la recherche de l'eau. Cette tarée qui se faisait de plus en plus rare. Mobilisation générale. Même la famille royale était obligée de sortir. Le roi, la reine, les princes et princesses, les valets et servants. On cherchait l'eau partout dans le royaume, mais hélas, aucune goutte d'eau ne tombait du ciel. Aucune goutte d'eau ne sortait de terre. Je vous jure, voilà. Un jour, Tomo, le roi au bord du désespoir, convoqua une assemblée générale, réunion d'urgence. Le crieur public mobilisait les sujets du roi en ces termes. Yo, 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 Hina, yo, 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 Nia, yo, yo, yo. Et quiconque entendait cet appel répondait yo, 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 yo. Urgence. Urgence à la place publique. Les habitants du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Tomo, notre roi vous convie à une réunion. Une importante réunion d'urgence. D'importance hautement stratégique. Mazabrou! 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 Aussitôt, la place publique de la jungle se remplit de toutes les espèces animales. Sa Majesté le roi Lion alias Goyala Tomo Mawuya, roi de la brousse et de la forêt, prend la parole. Habitantes et habitants, l'heure est grave. On vous le somme. Nous souffrons depuis quelque temps d'une crise d'eau sans précédent, menaçant même l'existence de notre forêt. Et pire, nos vies et celles de nos enfants. Je salue les efforts de chacun et de tous. Je demande encore plus d'efforts et promets une grande récompense à quiconque trouvera de l'eau potable pour notre communauté. Tous les animaux se mirent à la tâche. Chacun d'eux usant de ses dons naturels. Certains creusaient la terre. D'autres priaient les genoux de l'eau. Un jour, deux jours, huit, trois jours passèrent. Aucune goutte d'eau. 4, 5, jusqu'à une semaine, toujours pas de goutte d'eau. Ah, c'était compliqué. Et la population avait soif. C'est alors que Amou la tortue, le grand devin, découvrit. Yaya, Mazabrou, ao.
ni ses pattes en arrière, ni le tronc d'arbre. Arriva le tour de Yahvele, l'hippopotame, la force tranquille de l'eau de monter. Ni ses pattes, hein? Mais pas les faux.